Mes passions sont les shootings photos, le shopping avec les amis et surtout les repas de famille et repas avec les amis. Merci. La candidate numéro 2, s'il vous plaît. Ma plus grande passion dans la vie, c'est la danse. Je fais de la danse classique et contemporaine depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup appris. Ça m'a fait sortir un petit peu de ma coquille. Ça m'a aussi donné le goût de la scène, ce que je retrouve dans l'univers de Nice. Et puis ça m'a aidé à traverser certaines épreuves personnelles dans ma vie. Et ça fait partie de ma vie et j'en ai besoin tous les jours. Ma deuxième grande passion, ce sont les voyages. À 17 ans, je suis partie vivre une année aux États-Unis. J'ai vécu dans une famille d'accueil là-bas, je suis allée au lycée américain, donc j'ai vécu un petit peu tout ce qu'on voit dans les séries américaines, le bal de promo, la remise des titres, la remise des diplômes, etc. Avec le chapeau qu'on lance, enfin, un petit peu les clichés, mais là-bas c'est la vie normale d'un lycéen. Donc cette expérience a été vraiment très enrichissante
Et ça m'a permis aussi de me rendre compte, quand je suis rentrée, après un petit temps d'adaptation, que la Franche-Comté, c'était vraiment ma maison. C'était ici que je me sentais bien. Donc, j'étais très fière d'être née en Franche-Comté et de continuer à vivre aujourd'hui. Si je suis présente devant vous aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on est le 24 novembre et il y a 3 mois tout juste je me marie. Donc je trouve que ça me ferait un beau cadeau. Sérieusement, je suis donc une femme mariée. Je suis aussi une femme bientôt trentenaire d'ici quelques jours. Et c'est grâce à des comités comme les ambassadrices que j'ai encore la chance de participer à des élections, de faire de belles rencontres. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de ne pas restreindre la beauté, l'élégance et être une représentante à simplement être jeune et mince et célibataire. Donc voilà, donc pour n'avoir aucun regret, j'ai voulu retenter ma chance aujourd'hui devant vous. Merci de votre écoute. Merci. Papa, j'ai 25 ans, je suis thaïlandaise, j'ai obtenu un diplôme en gestion d'administration et je suis au niveau BTS informatique. Et pour l'instant, je travaillais dans un commerce, dans un supermarché en tant qu'employée commercienne. Et ma passion, c'est la musique, dessiner. Des photos. Dans la vie, j'aime bien sortir avec mes amis. La famille, c'est important aussi pour moi. Et sinon, je fais du sport. Je suis fitness à la salle. Et puis voilà. Tout bon. Oui, d'accord. Merci. Potentiellement les responsabilités qu'implique le titre d'ambassadrice Franche-Comté. J'aimerais apporter à ce comité tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes cours, question d'événementiel, organisation, communication forcément, et aussi par rapport à mes expériences passées avec l'ENIS, ce que j'ai pu retenir, c'était très enrichissant pardon, et grandissant pour moi. Voilà, c'est ce que j'aimerais apporter au comité aujourd'hui. Merci. Dans l'armée les week-ends. On dit toujours que la sécurité, le monde de la mode et tout, ça ne s'accorde pas, mais moi j'ai envie de prouver le contraire, donc c'est une de mes motivations aussi. Et puis voilà. Merci. I'm gonna make you mine.
Oiseau bleu. Oh putain. Vous êtes en direct. Qui est la personne qui te fascine et pourquoi? La personne qui me fascine le plus en ce moment, c'est la Miss France 2019, Maïe Malala, parce qu'elle représente la femme qui est du 36, justement, elle taille comme une femme, on peut trouver tous les jours. Voilà. Merci. Quand je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit bien fait, j'aime pas m'engager à moitié. Donc je me donne tous les moyens pour arriver au mieux de mes capacités en tout cas, et pour ne pas regretter et me dire que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait. Réaliser nos rêves, mais on doit aussi, c'est nous aussi qui avançons notre rêve, c'est nous aussi qui commençons de faire ce qu'on rêve en fait. Donc pour moi, je trouve que oui, c'est, on peut le faire ça, et tout le monde peut le faire. D'accord. Merci. Merci. Tu penses qu'il y a une élection nationale qui sera mise ou... Non. Okay. Du coup, non. Ouais. Non, du coup, je serais présente, mais okay. Si je pouvais avoir un nom invisible, ouais, ça me ferait bien. Après, quand tu as une élection nationale, et déchirer des rangs, tu vois. C'est ça. Pense à toi. Merci. Quand même devant des confirmations. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être une bonne ambassadrice? Disons que je pense qu'il existe des sous-groupes et qualités prioritaires. En soi, je pourrais dire une. Je pense que la bienveillance, c'est quelque chose de très important parce que ça regroupe l'honnêteté, la générosité, la gentillesse. Et ne pas être mal intentionné ou des choses comme ça, en fait, je pense que la bienveillance, c'est quelque chose d'essentiel, même dans la vie de tous les jours, en fait. Et je pense que les qualités qu'on possède dans la vie de tous les jours nous permettent justement d'être ambassadrice et pas... Voilà, et je pense que la bienveillance, voilà, je vais...
Merci. Et la 6 est une mine, du coup, je suis. Non, mais elle est chiante cette question, c'est pas le mot. La mienne, elle était mieux. Bah, je choisis celle que tu veux. Ah, bah, franchement, ouais. Si on te donnait une baguette magique, qu'en ferais-tu? Elle aurait peut-être préféré l'autre. Du coup, bah, je l'utiliserai pour revoir mon père qui n'est plus. Là, j'aurais dû garder l'autre question.
pleurer. Mais non, mais j'en avais une, mais j'ai pas le temps. C'est la musique du mec. Un pot de glace et puis devant la télé de Netflix. Tu pleures. C'est les films avant cinéma, avant la projection. C'est plutôt angoissant. Mais la musique présente, ton chien de trucs qui font peur. Tu vas pas regarder les gens, ils mettent tous. Wouah! C'est quoi ça? C'est la pub! Ça te va? Ils sont plus devant ça, c'est le truc. Mais chien, ils sont pire! Les trucs, ils sont les dumb aussi. Mais tu mets plus rapide avec Anaïs et Julie.
représenter sa région lors de l'élection nationale d'ambassadrice France 2020. J'allais dire donc qui tentera de succéder à Julie Bourseau, l'ambassadrice France 2019. Un quart de plus. C'est horrible. Et d'habitude je suis forte, mais là, il n'y a plus de musique. Bah oui, hein, c'est toi le DJ. Il faut mettre son micro en plus. Moi aussi, les bras, j'ai plus de la ne trouvez pas. Il n'en reste que 4. Il en reste déjà. Qui sera élu ambassadrice Franche-Comté 2019? Il succédera peut-être à Julie Miss ambassadrice France 2019 le 1er février prochain à Pont-à-Mousson. C'est chez moi. Donc celle qui est et restera ambassadrice Franche-Comté 2019. Et la candidate qui portait le numéro de Louise. Small qui mérite la couronne. Baby, we're there.
with blood on the tracks, sweat on the saddle, fire in the hills, bullets.